Bonjour, je m'appelle Damien Bévilacqua, je suis responsable de développement des ventes chez Chaussot Matériaux. Nous sommes aujourd'hui sur le chantier du tram de Marseille et je suis accompagné de Victoria et de Théo, la société Eurovia Marseille, qui nous ont mandaté pour les accompagner sur ce chantier. Plus précisément ici, nous travaillons sur le marché voies ferrées et revêtements de plateforme. Le revêtement en question ici, c'est de la pose de pavé calcaire. Utiliser un silo malaxeur, comme on l'a fait, va permettre de gérer vraiment l'approvisionnement petit à petit et ne pas dépendre de l'approvisionnement par camion ou par toupie, par exemple. On est passé tout d'abord par les centrales béton, sauf qu'on avait des contraintes spécifiques liées à la pose de pavé entre les rails. C'est pourquoi on a décidé d'aller chercher un petit peu plus loin et qu'on a décidé de faire appel à Damien. Ça nous permettait d'avoir aussi un atelier mobile. C'est pourquoi on a décidé donc de partir avec des silos malaxeurs qu'on mettrait directement en place sur site. Dans le cadre de ce projet, nous avons décidé de faire appel à Chaussot Matériaux pour l'approvisionnement en matériaux, mais aussi à une autre entreprise, donc ASP Pavage, concernant la pose de pavé entre les rails. Bonjour Ben. Bonjour Damien. Tu avais déjà travaillé avec un silo malaxeur ? Ben non, justement, à ma grande surprise, j'étais vraiment très ravi de voir ce concept. Ravi parce que dans l'efficacité de l'approvisionnement, dans les délais, je veux dire, on a fait un gain de temps énorme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, Chaussot Matériaux, on continue de développer et d'accompagner nos clients avec ce système de silo malaxeur qui, concrètement, aujourd'hui, dans un chantier comme celui-là, où quand même le réseau urbain est dense, où il y en a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de piétons, ça permet quand même d'éviter d'avoir trop de camions qui viennent sur le chantier. Ça te permet d'être un peu plus autonome. Ben, je te remercie pour ton témoignage. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Damien. Et bon courage. Ouais, merci. Ciao.